Bon, alors, notre nouveau webmaster. Alors, qui tu sois, appelez-moi le virus Terminator. Hein. Oh putain, les gars. Ah, fait. Tu l'as fait belle, hein? Tu l'as dit. Putain. Ah, là, tu es beau. Là, tu es sur ton élément. Regardez ces jambes comme ça tourne. Attends. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, j'ai tué tout l'arbre généalogique du blog. Excusez-moi, les gars. Putain. Un aperçu de ce qui va se passer cette année. C'est-à-dire? Un petit aperçu, une petite fenêtre ouverte hein, sur l'année 2012. De quoi, des indices qui vont? Ça va pas bien aller. Aïe, on va morfler. C'est pas certain, mais... J'ai la mienne. T'as pas vu, tu as tous les jours dessus là. Des sandbords, des sandibords, voilà. Qu'est-ce que ça va faire mal? 2012, grande année ouais. D'ailleurs. Bon, on va aller voir demain comment ça se passe, ouais, sur ces bonnes intentions. Ah, ils sont pas de... On va voir les objectifs de château. Et ils sont pas nombreux, château, aujourd'hui. Château, ils sont pas nombreux, aujourd'hui. On a Dédé, toujours là. Et Robert, de chez nous. Magnifique. Il n'y a pas tenu autre, quoi, ça. Et devant, Eric. Toujours là. Le costaud et Marco. Et Marco avait de gros objectifs aussi. Non, explique-nous un peu. Ouais. C'est quoi? Perdre 20 kilos. Oui. C'est vraiment des gros objectifs. Qui a dit des objectifs de gros? Ça tourne, ça tourne. Monsieur, je connais la tactique de Château Gombert alors. Et toi, Eric? Moi, non, pas perdre 2 kilos parce que. Sinon, on voit que les os. Ah, tu es bien parti pour. Avant de faire ma connerie, ça je vois les commentaires. Chaque fois je dis, je me répète, je suis content de vous avoir connu. Putain, j'ai eu après ça, j'ai dit, putain, par contre tu te vois pas, tu es content de me voir quoi. Ah ouais, plus ça, j'ai dit, excusez-moi, je me répète, mais putain. Aïe aïe aïe. Quelle vedette. Je suis pas un boulet rouge, je voulais carré en plus. Le Steve Jobs de la section, on l'a trouvé. Il est là. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, le petit groupe que nous sommes. Ah. On a combien tous les messages qui étaient à notre défaveur. Ah, c'est pour ça. Partir sur une année saine. C'est pour ça qu'il a tout. C'est pour ça qu'il a tout gobé. Quoi. Voilà, tout bon. Ça a été décidé d'un commun accord dans l'équipe. Ah. C'est tous les fichiers qu'on promettait. Bon, la suite à plus tard. Sujet. Alors les gars, oh. Qu'est-ce que ça dit alors? Kitsch, la forme? Ah, belle petite vague. Belle petite vague. On a travaillé dans l'ombre. On a pu faire un contrat aujourd'hui. C'est bien. Qu'est-ce que j'avais marqué sur le blog? Travail, hein? Sur Floride. Et voilà. Contrat rempli du jour. Hein. On a bien. Poumons, il souffle, même pas mal. Celui devient en forme. On va vous régaler. Belle matinée. Un beau soleil. Ah, là c'est facile. Là c'est facile là. Le vent nous pousse. Mais les copains, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année puisqu'on ne se revoit pas ce week-end, je bosse pour... J'en attends qu'ils le disent déjà, pour une fois il va bosser. Alors, demain matin, profitez-en bien et dimanche pour les lève-tôt, bonne sortie. Et alors, c'est là on dit à l'année prochaine. Bon Bouddha.
bon boudin et à l'année qui prochaine. À l'année qui vient, voilà. Allez, le bisou à tous et... Vive le vélo. Exactement. De plein de cuques et de châteaux, nos amis, hein, et que le cul vous plaît à la certaine, hein. Voilà, ça ne dit pas plus. 2012, tenez-vous prêts, les gars. Beaucoup de santé. Et je sais rien, moi. Et meilleurs vœux à tout le monde. Meilleurs vœux à tout le monde. Non, mais pas avant, ça se dit pas avant. Si. Non. Bon, allez, on coupe alors. Coupe, tu me tues, tu au montage. Je souhaiterais une bonne année, dimanche matin, 9h. Tapante. Et en forme. Et salut à Bert. Bonne année. J'ai une course. À dimanche.